Le Red Star 19e joue contre Orléans 6e. Orléans est la meilleure équipe de Domino's League 2 ces dernières semaines sur 5 victoires consécutives et en plus en n'ayant encaissé aucun but. C'est très impressionnant et Orléans va vouloir continuer comme cela. Le Red Star de son côté a tout de même pris 4 points sur les deux derniers matchs après 4 défaites. Ça va mieux pour le promu. Les Odoniens qui n'ont vraiment pas de réussite car après 8 minutes, ils marquent contre leur camp. C'est Omenuke Mfulu qui marque ce but en faveur d'Orléans. Le coup dur pour le joueur du Red Star. Et Orléans en pleine confiance réussit à mener au score avec ce coup du sort. Un fait de jeu très favorable. Et les Franciliens vont devoir rattraper cela. Ils essayent d'aller de l'avant mais Orléans a de bonnes situations. Une de plus ici, la tête victorieuse de Joseph Lopi à la 20e minute. 2 à 0 pour Orléans. Le troisième but cette saison pour Lopi. Incroyable Orléanais qui avait la pire défense du championnat au mois d'août, qui avait fait des matchs très compliqués et qui depuis non seulement ne prennent plus de but mais en marque en bonne quantité. Nouvelle interception pour les joueurs de Didier Olenicole avec ce centre et la reprise de la tête d'Anthony Le Talec à 10 minutes de la mi-temps. Déjà 3 à 0 pour Orléans. Le troisième but de la saison pour Anthony Le Talec. La défense du Red Star n'y est pas. Pas de marquage. Et Le Talec tout seul peut inscrire facilement ce but supplémentaire à la mi-temps. Orléans a presque déjà match gagné en menant 3 à 0 à l'extérieur. C'est compliqué pour l'équipe de Régis Brouard. Et Orléans va gérer la situation en seconde période en essayant sans doute de ne pas encaisser de but pour continuer cette incroyable série. Nouvelle passe complètement ratée pour des joueurs du Red Star qui n'y sont pas. 78e minute, le cadeau est exploité par Jordan Tell pour son 5e but de la saison. Et ça fait 4 à 0. Match complètement loupé de la part du Red Star. Le score est lourd. Orléans s'impose 4 à 0, c'est donc une 6e victoire consécutive et un 6e match sans encaisser de but. C'est incroyable pour l'équipe d'Orléans qui continue à être très très bien placée en haut du classement.